Yo, salut tout le monde, comment vous allez bien? Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour unboxer un nouveau produit. J'espère qu'il intéressera un grand nombre d'entre vous car c'est vraiment un produit pratique. Alors, je vais vous dire c'est quoi comme référence. C'est le Ona ET01. -C012. Mais qu'est-ce que c'est que ce Ona? Mais qu'est-ce que c'est que tu nous présentes? Regardez, regardez, je suis en train de le déballer. C'est un bras fixation de table pivotant pour écran télé ou moniteur d'ordinateur. Alors, des écrans télé, c'est pas une 55 pouces ou quoi. Ça reste dans un petit... comme la taille d'un écran PC en fait, hein. Puisque ce bras de fixation supporte jusqu'à 8 kg. Donc vous voyez, faut pas un immense écran, ça reste très très bien. Moi je le teste sur mon écran 27 pouces, donc c'est déjà pas mal, hein. Vous allez le voir à la fin en image, j'ai monté tout ça, c'est pas mal. Mais là on est en train de le unboxer. Alors regardez ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a sous ce plastique? C'est simplement la base. La base qui se pince, qui se clipse au rebord d'une table. Alors ça, c'est vraiment pratique puisque on n'a pas besoin de fixer, de planter des clous. Ça c'est bien utile. Hein. Et c'est comme ça d'ailleurs que moi, je vais l'utiliser. Donc là, vous avez vu, j'avais eu un peu de mal à ouvrir ceux-là, à les enlever de cette boîte. Je vous avoue, ouais, c'était pas facile, j'ai eu un peu mauvaise quand j'ai ouvert. Mais c'est très très bien emballé, c'est vrai qu'au moins, c'est ça le plus important. Puisque là, regardez quand même la qualité, c'est assez lourd. Hein. Vous pouvez pas le sentir vous, mais c'est assez lourd. Donc c'est de la bonne qualité. Franchement, c'est de la bonne qualité. De toute façon, il faut parce que pour supporter un écran jusqu'à 8 kg, vaut mieux que ça supporte bien. Alors ici, regardez, on a le bras. Le bras, vous voyez, c'est pas juste un bras droit qui va du tube vertical jusqu'à notre écran. Vous allez voir en image après, justement, quand je l'aurai bien monté. Ben, il se plie, se déplie, on peut le tordre dans tous les sens. L'écran, on peut le mettre dans tous les sens. On peut mettre l'écran en position horizontale normale. Ou alors en position verticale. Et ça, c'est pas mal pour avoir un autre mode. Enfin, ça peut être utile aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, pour diffuser du contenu. Enfin, c'est vraiment un bras de grande qualité. Regardez, il y a même des passe-câbles. C'est pas Pascal, hein. Non, n'appelez pas votre cousin Pascal. C'est un passe-câble. Alors, c'est livré à toute la visserie. Vous voyez les petites rondelles, les grosses vis, les petites vis. Alors, il faut savoir que l'écart des trous pour fixer l'écran... Alors, il y a deux possibilités de deux distances différentes. Il y a du 75 mm d'écart ou du 100 mm. Moi, pour ma part, mon écran, il avait 100 mm. Donc, c'était nickel. Vous voyez, c'est fourni avec toute la visserie. C'est vraiment génial. Et c'est très simple à mettre en place puisque... Même moi, j'ai réussi. La fixation, elle est inclinable, elle est orientable, comme je le disais, elle est tournante pour écran d'ordinateur ou des petites télé LED. Regardez le résultat, comment ça rend très bien. Vous voyez, moi je l'ai même passé dans le trou de mon meuble. C'est vraiment superbe. La hauteur du pied, c'est ajustable jusqu'à 30 cm. Donc vraiment, c'est pas mal. Et vous voyez le rendu, c'est magnifique. C'est un produit que je vous conseille. À la bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.